Pour réaliser un carré flou dégradé, rien de mieux que les coiffants Technia. Pourquoi ? Ce sont des produits inspirés et créés par des pros. Tout d'abord, mon coiffeur conseille d'appliquer la gelée Scruff Me sur cheveux humides pour permettre d'accentuer le mouvement et de donner de la texture à mon carré flou. Je chauffe le produit entre mes mains pour l'appliquer plus facilement. Je l'applique sur l'ensemble de mes cheveux. Mon coiffeur utilise un peigne à dents larges pour faciliter la répartition. Si vous avez les cheveux raides comme moi, vous devez créer du mouvement. Je sépare mes cheveux en zigzag pour obtenir 6 à 12 sections. Puis j'enroule les mèches en chignon. Ensuite, je fixe le mouvement en séchant mes cheveux avec un diffuseur. Une fois sec, je détache mes cheveux et je casse les boucles du bout des doigts. Pour texturiser, je vaporise Next DR sur les longueurs et pointes pour un effet sauvage. Et maintenant, le meilleur moment. J'utilise mes doigts pour créer la matière désirée. Une astuce que mon coiffeur m'a donnée ? Si vous voulez créer plus de mouvement sur certaines mèches, n'hésitez pas à utiliser un fer à boucler. Attention à ne pas remonter trop près des racines pour garder un effet flou. Puis vaporisez abondamment Next Day Air. Et voilà, mon carré flou dégradé grâce à Technia.